forcément y avoir des traces du Zora Maltaros quelque part par ici. Je crois que je commence à comprendre ce qu'est le Val Putride. On doit être tout en bas du Val. Mais où est passé le Zora Maltaros? Il n'a nulle part où aller. Je crois qu'on ferait mieux de se séparer.
tout va bien? En cas de coup dur, utilise ta fusée d'alerte pour appeler d'autres chasseurs à l'aide.
Où est-ce qu'elle est? Pourquoi elle n'est pas avec toi? Je retourne la chercher. Pas la peine. Vous êtes en vie? Oh, j'étais tellement inquiète. C'est bon, Anne, tout va bien, tout va bien. L'essentiel, c'est que vous n'ayez rien. Merci. Je pensais rester cachée jusqu'à son départ, mais bon, vous m'avez évité cette peine. Allons, allons, ne pleure plus. On avait un accord, vous vous souvenez? Vous en savez plus sur cette vallée? Alors dites-moi tout. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Je pense que les monstres rejoignent le Val Putride pour y mourir. C'est leur cimetière et toute la région est un vaste écosystème qui gravite autour. Bon. Suivez-moi. Vous avez vu juste. C'est ici que les monstres viennent rendre leur dernier soupir. Lorsqu'ils sentent la fin venir, ils se mettent en route. Leurs carcasses se décomposent et nourrissent le plateau de corail. De la mort s'épanouit une vie nouvelle. Une vie qui, à la fin de son cycle, regagne le Val pour y périr à son tour. Cet écosystème est incroyable. Il surpasse de loin tout ce que j'ai vu jusqu'ici. Oui. Cependant, vous êtes-vous posé la plus importante des questions? Laquelle? Qui est à l'origine de tout ça? Quel monstre serait capable de nourrir un milieu aussi riche? Pourquoi les dragons anciens entament la traversée? Vous avez deviné? Vous voulez dire que... Oui, cet endroit est le cimetière des dragons anciens. C'est ici que le Zora Magdaros trouvera le repos éternel. Enfin, normalement, tout nous mène ici, mais le Zora est introuvable. Il avait accumulé énormément d'énergie. A-t-il essayé de la libérer quelque part? J'en sais rien. Mais j'ai une idée. Les anciens Wyveriens vivent ici depuis bien plus longtemps que nous. Allez les trouver. Regardez, des flocons de vie. Seulement je pouvais vivre 3 siècles de plus. Alors peut-être que ce serait suffisant pour assister à la fin de ce cycle. Mes amis, continuez sans moi. Je vais rester là un peu plus longtemps. Voir ce que la mort a à offrir et la vie à apporter.